Un étrange visiteur vient d'arriver sur l'île de Fortnite. Ce personnage s'appelle le Vagabond. Si vous avez l'intention de lui rendre visite, voici une image qui montre les emplacements où il a été vu actuellement. Cependant, vous ne pourrez pas l'approcher parce que c'est un personnage qui a une mission très importante à faire sur cette île. Et apparemment, il attaquerait toujours ses victimes à distance. Donc si vous essayez de l'approcher, il va tout simplement disparaître sous vos yeux. De plus, n'essayez même pas de regarder à quoi il ressemble sous sa capuche, car comme Mégalodon l'a dit, vos esprits simples ne comprendraient pas ce qu'il s'y cache. Ne dérangez pas le Vagabond, mes amis. Quoi ? Il a une mission importante sur cette île et nous avons des intérêts communs. Ne le touchez pas, ne lui parlez pas et surtout, n'essayez pas de regarder ce qu'il y a sous sa capuche. De toute façon, vos esprits simples ne comprendraient pas ce qu'il verrait. Enfin, je n'en sais rien, il ne m'a pas montré son visage à moi non plus. Mais je suis prêt à respecter les bizarreries de mes puissants alliés. Si j'en ai l'envie. Alors pour ceux qui se demandent qui il est réellement, ben selon les rumeurs, ça serait tout simplement le boss de la prochaine saison de Fortnite. Il est arrivé en même temps que Mégalodon et son équipage via le navire Léviathan qui était dans la tempête. Et apparemment, le Vagabond serait un personnage encore plus puissant que les dieux olympiques de la saison précédente. C'est pour ça qu'après avoir vaincu Zeus, l'oracle nous a révélé que le Vagabond était lié à une catastrophe imminente et que nous devions garder espoir. De plus, Zeus qui a été vaincu est apparemment toujours caché sur l'île en train d'élaborer un nouveau plan, sûrement pour nous aider. Donc voilà tout ce que je sais à propos de ce nouveau personnage et bien entendu on en apprendra sûrement plus avec les prochaines quêtes de récit. Alors si vous avez des théories ou d'autres informations, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire.